Bonsoir à tous, salut les footeux. Bonsoir à tous et bienvenue dans USB Foot. Yves Dorof qu'on accueille en petite foulée, salut. Normal, je reviens de l'échauffement, salut Anto. Tu vas bien? Oui, très bien. Ça va, Issa? Ça va et toi? Tout ce qui se dit dans le vestiaire, ça reste dans le vestiaire, on est d'accord. C'est exactement bon, ça. Okay. Ça aurait pu être l'Irlande. Mais c'est la première et seule fois. Mais bon, c'est pas. J'ai une question, mais j'ai plusieurs couleurs. Allez, on est parti. Faut toujours envoyer un petit texto. Ça. Vous avez un saut? Voilà, j'arrive et puis... Et je fais ça, quoi. Kenny nous sino di belle. Aïe, 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 aïe. Bah, c'est le deuxième maillot que tu nous as amené, en fait. Ouais, ben. Eh oui, maillot de l'équipe de France. Ouais. Se battre pour ne plus être choisi la dernière ou collé dans les buts. Quand je vois tous les poteaux, je me dis... Ah, c'est peut-être un truc, quand même. Voilà, j'étais suspendu lors du match retour. On est mené 2-0 au bout de 20 minutes. J'avais chanté Réseau de Niska. C'est vraiment un exemple pour tous les jeunes qui sont dans le milieu amateur. Je crois qu'il ne faut jamais lâcher ses rêves et peut-être qu'un jour ou l'autre, ça peut arriver. À Mouzillon, Roxane a pu assouvir sa passion du foot il y a 3 ans. Et on a vu qu'ils avaient vraiment progressé. Les garçons ont su être pragmatiques et ont compris que s'ils voulaient gagner, il valait mieux m'avoir dans leur équipe. De toute façon, il n'y a pas de fumée sans feu, donc... C'était avec les Herbiers en 2010. Nul. Bon, ce mois de janvier va, comme depuis beaucoup de saisons, être catastrophique. Et puis, on va se quitter sur un dernier, c'est le coup de cœur. Regarde ce coup de cœur, on va te regarder voir, parce que t'as pas que des talents de footballeur. Ah, c'est qui? Coup de cœur aux filles des U18 de Cholet, justement, qui ont œuvré pour le match face à Dunkerque. C'était lors du dernier match de championnat. Merci les filles. Et vous dire, bon match à vous.